De quoi tu parles? De quoi tu parles? 5 fois 7. C'est ce jour fatidique du 5 x 7. 35. 35e émission de quoi tu parles de. Merci d'être là. Marc-Antoine n'a pas parlé encore. Non. Parce qu'il est encore en train de compter sur ses doigts en bond de 5. Je comprends. Des fois, je comprends pas tes intros. Pis je pense que c'est ce que j'aime le plus, parce que je sais jamais où tu t'en vas. Mais la fin, c'est que les gens voient pas les yeux que je te fais. Pis c'est des yeux genre un chevreuil, là. Pis t'es comme, d'où tu t'en vas, man? Oui. Mais là, je me demandais, vu que, tu sais, je sais qu'est-ce qui s'en vient, là, moi, là, tu m'en as parlé. Est-ce que fallait que je fasse l'interaction avec toi? En fait, j'ai vécu ce moment-là. J'étais pas de certain. L'intro? Oui! Oui! Ben, idéalement! Mais tu comprends? Oui, parce que je joue le double jeu. Parce que tu joues le jeu aujourd'hui d'animateur. Oui. Mais aussi à la fois invité. Invité. Parce qu'on va faire un De quoi tu parles d'eux édition jolie. Ben oui. Parce que t'es en show. Parce que tu m'as forcé. T'es en show, non seulement à Cap. Oui. Le 3. Oui. À Hearst, le 4. Oui. Mais aussi pour les gens d'Ottawa, oui, le 10 novembre, semaine prochaine. Et même à Dieppe. À Dieppe, oui, plus tard. Le 8. Oui, c'est ça. Le 8. Ah oui, entre, c'est vrai. Exact. Mais tu prends l'avion. Oui. Pourquoi est-ce que c'est un... Peut-être pour aider aux gens, non, à montrer qu'il y a beaucoup de parcours oui, là-dedans. Mais je sais pas pourquoi que j'ai spécifié que tu prenais l'avion. Ben, parce que... Non, je pense que pour moi, c'est important que je tu le dises. Parce je pense que ça justifie pourquoi que moi, je vais pas avec toi prendre des photos. Je pense que c'était plus ça que n'importe sinon, quoi. Sinon, tu y étais. Sinon, j'y étais. C'est encore famille. Drôle. Je salue ma oui, famille. C'est juste en plein milieu de la semaine. Ils sont tous exilés. Oui, là-bas. En Acadie. Et je raconte une histoire, on parle de l'Acadie. Vas-y. Mes grands-parents. Oui. Mes grands-parents habitent Shediac. Et je leur ai demandé la permission de compter cette histoire. Okay. Parce que je la trouvais trop drôle. Elle n'a pas compté. Et mon père voulait pas me la compter au début parce qu'il a dit c'est sûr que tu vas en parler. Puis j'ai fait tu me connais donc bien. Ils ont une nouvelle auto de l'année, les chanceux, une belle Mazda. Je ne me trompe pas, c'est une CX-5. Donc, okay. Un SUV, qu'on oui. appelle ça, un VUS, un véhicule d'usage sportif, je pense, ou utilitaire. Je sais pas. Un SUV. Oui. Une grosse hatchback. Oui. Et puis, ils ont un garage, les chanceux. Ils ont oui. un garage. Donc, ils se stationnent dans le garage. Dans le confort. Dans le confort. Pas un garage souterrain. T'as chez Yac quand même. On oui. reste au niveau de la terre. Oui, oui, je vous accorde. Et puis, pour la porte de garage, eh bien, ils ont un petit piton. Oui. Pour ouvrir oui. la porte du garage. Ben oui. Donc, ma mère Nicole, je la salue. Et très active sur Facebook. Très active, qui est sur elle qu'on disait. Et puis, mon père Roger, je salue également. Je sais qu'il écoute et qui l'angoisse présentement. Je t'aime. Salut. D'un côté du passager. Donc, il pèse sur le bouton. Nicole pèse sur le bouton. Bouton. Donc, la porte s'ouvre. Oui. Elle met sur reculon, commence à reculer. Qui pèse sur le piton en plein milieu? Roger. Mais Roger, il voulait aller chercher ses lunettes de soleil. OK. Qui sont en haut. Juste en haut. Donc, oh, il l'accroche. C'est une faute. Et là, crunch. Crunch, le... Mais est-ce crunch. Que c'est les portes avec le sensor? Oui, mais le sensor des portes de garage sont en bas. Oui, t'as raison. Et quand un char est passé les il pneus, juste... le sensor frappe quoi? En dessous en du dessous, char. Oui. Ok, c'est pas arrêté. La Mazda char de l'année CX-5 Dente sur un solide temps. Et puis et la porte de garage. Et la porte de garage. Et le mécanisme. Non. Le mécanisme, il a non, forcé. Non, non, non. Non, ça l'a arrêté parce que ça sentit une puissance. Ok. D'un char. Une puissance de 4 donc, le petit robeur qui est en bas d'une porte oui. de garage, un peu plié. Oui. Ça se vit. Ça se vit bien, oui, oui. Tu le replaces, c'est correct. Mais eux autres, malgré ma stature de 6 pieds 3, oui. Mes génétiques d'auteur et de grandeur ne viennent pas d'eux. OK. Du haut de leurs 5 pieds 6. Oui, comme moi. Oui, ils n'arrivaient pas à voir par-dessus l'auto pour voir à quel point qu'il y avait... Il y avait besoin d'un petit booster. Donc, ils ont été chercher le petit escabeau. Ah, c'est ça. Après, ils ont fait... Oh. Nicole, c'est tout poqué. Et puis, ils ont appelé, ça l'arrête pas là. Donc, ma Nicole, ma mère, elle dit, Rocher, pourquoi que t'as fait ça? Évidemment, elle dit, Nicole, oui, vous lire mes lunettes de soleil. Puis après, ils appellent l'assurance parce que, oui. pas le choix. Ben oui. C'est beaucoup d'argent de dommage. Je vais remplacer le toit au complet. Non.
Il n'y a pas une body shop qui voulait s'occuper de ça. Oui, mais à charge. Il faut ramper. Toast. Remise à neuf. Remise à neuf. Donc, il remplace un toit. Donc, c'est ça. Mais en remplacer un toit. Je sais pas comment ça se fait, je suis pas mécanicien. Puis je suis certain que c'est l'enfer, commander un toit en ce moment. Puis c'est back order. C'est ça. C'était ma prochaine question. Fait qu'il va y avoir un nouveau char quand dans 4 ans? Mais il y a encore le nouveau char, il est juste endommagé. OK, mais il est fonctionnel. Oui, ben, ça, c'est juste, il y a une poque. Mais moi, un petit message pour eux autres, là. Mais ça finit pas là! Petite convertible! Ah ouais, à ça, zone, fais-toi un trou. Mais... c'est le temps de l'année, anyway. Fait que là, il appelle la compagnie d'assurance. Ouais. Ma mère est au téléphone avec la dame. Il dit, bon, ben salut, ben ça s'est passé. Mon mari a accroché le bouton. Puis là, la madame n'arrête pas d'insister. Non, mais c'est qui qu'on disait? Elle dit, oui, mais c'est mon mari qui a payé le bouton. Puis là, à un moment donné, la madame a fait, oui, mais est-ce que c'était vous qu'on disait? Elle dit, oui, mais elle dit, c'est vous qui est ta faute. Après, mon papa, il rêvait, tu vois, Nicole, c'est ta faute. Même la madame de l'assurance l'a dit. C'est ça. Donc, il est bien faire d'avoir eu cette victoire-là à cause d'une madame d'assurance. Oh. Ben, à cause que c'est vrai que tu peux pas charger la personne qui conduisait pas pour les dommages. Non. Donc, Ça peut bien être ton mari, mais c'est toi qui conduisais. Tout ça pour dire, on parle de toi aujourd'hui. C'est ça. On a parlé de ma famille avant. Et voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Mm-hmm. Puis ça tourne encore. Oh. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Peut-être que tu joues à cache-cache parce que les murs saignent. Et puis, vous pouviez même dire que tu t'en fous, que ça tourne encore. Mais moi, aujourd'hui, je vis ce que j'appelle mon rêve d'enfant. Oh. Une édition toute spéciale de quoi tu parles de jolie! Ça va, mon chum? Oui, ça va. Ça va bien? Ça, c'est tellement weird. Ça tourne encore. Ça fait très... C'est bizarre de passer en entrevue. Mais oui. Et c'est des... J'ai l'impression que je vais plus animer l'entrevue avec toi que faire l'entrevue. Mais j'ai une question. Oui, c'est sûr que j'ai une question avec Marc, moi-même. Marc, comment est-ce que tu vois ton processus créatif? Très bonne question, merci. Tu pourrais faire un alter ego. Oui. Je pourrais t'adresser comme Marc. Oui. Et tu pourrais répondre comme Antoine. Oh, wow. Mm-hmm. Ouais. Je sais pas si ça me tente de jouer. Veux pas être un Antoine. Il y a une différence entre être Marc-Antoine et être Antoine. Ouais. Quatre lettres. Oui. Et un tradition. Surtout le tradition. Mais on parle. On a aussi parlé. Nouvel extrait radio. T'en fous. Qui est, Non, rêve d'enfant. Rêve d'enfant. Oui. Désolé. Mais t'as aussi un extrait radio. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Et ça tourne encore. Oui. Que t'aimes tellement dire. Oui. Juste à cause ça te fait réagir. Oui, parce que je sais pas pourquoi ça. Je deviens frustré. Ça te hurt pour aucune raison. Mais ta grande tournée qui commence demain. Oui. Kapuskasing dans le nord, le 3, ensuite le 4 à Hearst, et ensuite Dieppe, 8 pour, rappelle-moi le nom, c'est Franco-Fête. Franco-Fête en Acadie. Et puis ensuite, Siena, à la charmante 4e salle. Oui. 4e salle, juste à toi, intime. Oui. J'ai découvert pendant les triards cette salle-là. Tu y avais jamais été? J'avais jamais été. Ben, je comprends. J'ai jamais vu un show. J'ai jamais payé pour voir un show de musique live au CNA. Je comprends. Okay. J'ai toujours été... Je pensais t'avoir dit, je n'ai jamais payé pour un show de musique. Non. Moi, là, c'est Spotify. Je vais juste sur les événements gratuits. Moi, je vais YouTube, joli, live. Oui, bonne chance. Je me compte. Il n'y a rien en ce moment. Il y en a qui s'en viennent, par contre. Mais parle-moi un peu de ça. Fébrile, pré-tournée. J'ai hâte de te voir aussi. On se connaît, on s'est vu backstage au Triard. Oui. Mais tu faisais. Tu m'as jamais vu en show full band, hein? Je t'ai jamais vu en show full band. Je t'ai jamais vu toi proche. J'ai jamais été à côté de toi pendant ta préparation d'un vrai show. D'un vrai show, ouais. Fait que j'ai hâte de voir. Comment je suis? Comment t'es, ta personnalité. J'ai l'impression que t'es nerveux avant un show. Oui, je suis full nerveux. Mais je travaille là-dessus. Mm-hmm. Je suis vraiment plus dans essayer de vivre le moment présent. Puis j'en discute beaucoup avec mon band, avec Simon, mon frère, Jolie, puis Pat Harrison. Puis Nick aussi, que je considère dans le band, c'est le 4e membre au son. Puis on en parle beaucoup. Puis
je pense que je m'améliore avec ça. Mais il y a un temps où comme c'était pas sain pour ma propre personne, ouais, en fait. Mais là, j'ai changé ça parce que j'aime faire de la musique, j'aime faire des shows. Donc, pourquoi je m'imposais ça? Je pense que c'était imposé, en fait. Je le vivais mal. Mm-hmm. Puis je me suis dit, il fallait que je change ça. Fait que là, maintenant, j'essaie de vraiment... Je suis full reconnaissant de pouvoir, ouais, faire ça. Puis d'aller présenter un show dans des villes que j'ai jamais eu la chance de présenter. T'as jamais été dans les city villes? Ben, j'ai déjà été, mais pas avec Jolie. Non, mais c'est ça. Non, c'est, ouais, ça, exact. Fait que, wow, mais j'ai joué à Cap, je sais pas, une dizaine de fois, peut-être plus. Hearst, même affaire, tu sais. Mais non, mais j'aurais pensé que t'aurais mais jamais avec... Non, jamais avec Jolie. Solo. En fait, c'est ma première vraie tournée. Ah, oui? Oui. C'est vrai que la COVID a genre... Ouais, puis c'était un EP la première c'est fois. Puis je pense que ben j'étais prête, mais j'avais pas présenté ma personnalité. Moi, j'étais dans un temps plus deep dans ma vie, puis j'avais joué la game de tout ça. Ben, pas la game, mais c'est ça que je vivais. Mm-hmm. Fait que je pense que j'avais moins genre... Quand t'avais ton faux rock. Oui, pour c'est situer ça. Les gens. Pour situer les gens, exactement. Quand il y avait beaucoup trop de cheveux sur la tête. En parlant de cheveux, t'as besoin d'une coupe de cheveux avant tes shows. J'ai tellement besoin d'une coupe de cheveux. Sinon, je te passe au clipper. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais oui, on va... a bien de la route à faire. On arrange ça, inquiète-toi pas. J'ai le temps de faire une petite coupe, ouais, non, 3 puis 4 dans la minute. Je vais en prendre soin. J'ai un rendez-vous. Mais oui, j'ai super hâte de faire ces shows-là, puis de pouvoir partir justement avec les boys, puis de... Faire de la musique, puis, tu sais, faire de la musique, c'est drôle parce qu'on va faire, tu sais, 4 shows en tout, beaucoup, beaucoup de routes. Ouais. 4 shows, c'est sur 7 jours, tu sais, parce qu'on a beaucoup de routes à faire et tout. Fait que j'ai autant hâte de passer du temps dans la van, d'aller manger, d'aller prendre une bière avant, après, whatever, puis juste de vivre ça en communauté. Mm-hmm. Parce que c'est le même, je vois ça, c'est ma petite communauté que je me suis entouré, puis des gens que j'aime. Pis ça fait autant partie de la tournée pour moi que... faire le show, tu sais. Ouais. Parce que le show, il est comme... Il y a un heure, c'est vrai que ça passe vite. Des fois, c'est, tu sais, 12 heures de route pour un heure de show, tu sais. Ouais. C'est ça que c'est. Puis là, ça, c'est si tu fais dans la même journée, mais il y a le soundcheck. Mais un heure de show, c'est combien de tonnes? C'est une bonne question. En général, Céleste, elle va te dire 12. Puis là, je dis souvent Céleste, là, mais c'est parce que c'est mon gars. Parce qu'elle, elle fait plein de durées de tonnes. Ouais. De show, je veux dire. Moi, je te dirais... essentiellement ma faire peut-être je parle un peu moins qu'elle malgré que récemment je parle un petit peu plus je te dirais entre 12 et 14 tunes dépendamment quand même beaucoup quand même mais ça peut finir par être un heure et quart aussi ça dépend parce que nous autres, on a des jams dans les tunes fait qu'on a des tunes qui durent comme 6 minutes c'est ça aussi moi donc faut que tu sois consciencieux de ça puis j'ai beaucoup d'interludes qui sont une minute mais si t'additionnes celle-là plus l'autre. La chanson, ça finit par être toutes des tunes de 4-5 minutes. Ouais. C'est comme, ça va vite. Ouais. Fait que, mais c'est un show qui est quand même, qui se vit bien en musique, en mots aussi, mais quand même très musical aussi. Ouais, là, parce que t'avais été à Cap, je me trompe pas, récemment, l'été, cet été. J'étais à Moonbeam. Moonbeam pour la fête du Canada, c'est exact, ça? Exact, oui. Ouais. C'est vraiment le fun, ça. Ben, Moonbeam, c'est comme Cap. Oui. Un peu. Ben, en fait, j'ai appris que Moonbeam, l'été, c'est des gens de Cap qui ont un chalet. Ça, c'est quand même très drôle. Oui. Parce que je suis comme, c'est tellement proche. Pourquoi t'as... What? Moi, c'est le fait que Cap... Moi, c'est le fait que Cap a un Walmart. Oui, t'as raison. Cap, ça... moi, je trouve Cap sont full indépendants. Ouais, ben, il y a personne d'autre autour. Oui, je sais, mais je veux dire, il y a des fois, il y a des villes qui a personne d'autre autour puis ils sont pas indépendants. Moi, non. J'ai plein d'exemples. mais là, je trouve, comme ils ont plein d'affaires puis je trouve, je sais pas, ils font bien leurs affaires, j'imagine. Ouais. Mais c'est quand même une grande communauté francophone. Très grande. Puis il y a quand même bien du monde. Ouais. Puis je pense qu'à cause qu'il y avait les mines. Il y en a encore. Là. Oui, mais en elles tout sont cas, plus loin ou quelque chose. Je suis perdu là-dedans dans cette histoire-là. Mais tu parlais d'être terre à terre. Oui. Et puis, il y a une chose que tu m'as. La seule chose que je sais de toi en ce moment, pré-spectacle. OK. C'est qu'est-ce que. Parce que les artistes, vous avez ce qu'on appelle une green room. Oui. Qui genre cette place en arrière-scène. Oui. Que, la loge. Une loge, c'est-à-dire s'il y a des couches, des sofas, peu importe. Oui. D'une coupe de collation. Oui. Et puis, d'habitude, les artistes vont faire une requête. Oui. Ils vont faire une checklist de voici ce que j'ai de besoin. Oui. Dans ma loge. Oui. Sinon, monsieur va pas être content. Oui. C'est la partie diva. Oui. Genre d'un spectacle. Oui, ça peut l'être. Ça, ouais. Puis le soundcheck. Et puis. Oui. Juste être artiste, c'est très diva. Oui, c'est quand même. Mais tu m'as dit, vite fait, qu'est-ce que t'as demandé dans tes loges. Et je trouve ça force, drôle et sympathique. Oui.
Pour vrai? Oui. OK. Pourquoi? À cause que... Ben, faut le dire, là. C'est, oui, oui. Mais c'est ta petite phrase que t'as rajoutée à la fin. Mais je vais te laisser énumérer les choses que tu dis. Oui. Et ensuite, je vais te faire la phrase. Oui, j'espère que je vais te redire la même affaire. J'espère, moi aussi. C'est ça qui me ferait... Ben, j'étais comme les fruits et les légumes, oui, évidemment. Puis, tu sais, c'est sûr, c'est des petits chips, des noix. Moi, je suis un grand fan de noix. Ouais. Grande passion pour les cachous. Ah! Je trouve ça... J'ai une passion pour les cachous. Les cachous. Ouais, l'hiver, c'est fort c'est agréable. C'est vrai que ça peut être agréable, mais les cachous, je trouve que ça soutient. T'as pas besoin de grand-chose. En ce moment, tu sais, il se fait la main comme si c'était une poignée. Une poignée de cachous, tu sais. Mais tu l'as fait à la mononcle, oui, de que tes bras un oui, peu. Oui, j'ai shaké. Ben oui, faut que tu vois, faire sûr. C'est ils m'ont-tu donné des cachous pas salés? Parce que ça, c'est pas, non, ça, c'est pas gentil. Ça, c'est sec. Ça, c'est méchant un peu. Faites pas ça à personne. Mais à moins que c'est quelqu'un qui souffre de haute pression, là c'est, vous faites une grande faveur. Ou une allergie aux noix. Ben là, donnez pas de noix. Point. Mais, ouais, puis là, ensuite, je dis, si vous avez des bières de microbrasserie, ouais, locale, ça, c'est comme un petit bonheur. Uh-huh. Une affaire d'avantage. Merci beaucoup. Ouais. C'est quoi? Y a-tu d'autres choses que j'ai oublié? C'est ça que t'as dit. Oui. Mais seulement si vous m'aimez vraiment. Oui. Genre, c'est genre comme si, ouais, si comme... Si vous, tu fais ça. Si vous, tu veux vraiment te rendre là. Ouais. Parce que l'affaire, c'est que je trouve que c'est important de montrer que c'est pas nécessaire, non, mais que c'est fort apprécié, mm-hmm, tu sais. Parce que souvent, il va toujours avoir comme des boissons dans la loge, ouais, quelconque, que ça soit, tu sais, je sais pas, du Fruitopia, à juste aller. Je sais pas pourquoi du Fruitopia, c'est le premier qui est venu. Mais souvent, il y en a. Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est du jus, c'est sucré, c'est j'imagine, bon. J'imagine, ouais. Ou, tu sais, de l'eau Perrier. Je suis un grand fan d'eau Perrier. Fait que, anyway, c'est ça que je vais prendre. Mais là, des fois, t'es comme, oh, tu sais, une bière d'une microbrasserie locale. Uh-huh. On est stoked. Ouais. Parce que moi et Pat, on aime rater nos bières sur l'application si Untappd. Puis en discuter. Puis Simon, il boit zéro bière. Fait que là, on a une de plus à partager. C'est parfait. Mais ouais, c'est ça. Fait que si vous m'aimez vraiment. Je l'apprécie, ouais, la petite bière, la microbrasserie. Fait qu'avec toi, tu l'as dit, Nick Seguin, oui, Godson, oui, Pat Harrison. À la base. Et puis, ton frère, Simon. Je vais pas demander comment tu as rencontré ton frère, parce que je pense que ça s'est fait très naturellement. Pas mal, oui. Ben, même forcément, on peut dire. T'as oui, pas de choix que de le rencontrer. Mais ton amitié avec Pat, très solide. Ton amitié avec Nick Seguin, aussi très solide. Oui. Des gars qui ne viennent pas de la même place. Tu es une Hawkesbury. Oui. Nick, je sais pas d'où qu'il vient. Nick, à la base. Nick, il vient de Vanier. De Vanier, OK. Ouais, c'est un Otavien. Oui. Et puis, le Timinois. Oui, de Timmins. De Timmins. Pat Harrison. Oui. Comment est-ce que cette connexion-là, frère joli, si on veut, Pat Harrison, Nick Seguin, s'y est fait? La connexion de... Ben, Pat, je l'ai rencontré à travers Acouphène, en fait, parce que... C'est votre gérant. Oui, c'est notre gérant, mais on l'a rencontré un peu avant ça parce qu'il était comme fan du band. Fait que Pat, c'est le groupie, oui, qui s'est rendu dans s'est le groupe. S'est rendu gérant. Wow! Oui. Ça, c'est smart. Oui, parce qu'on avait besoin d'aide à l'époque. Oui, de l'aide à gérer les finances, en fait, puis à aller chercher le tout, parce que nous, on ne pouvait plus le faire. Fait que Pat, c'est comme ça, puis on a cliqué tout de suite parce qu'on avait plein de référents musicaux qui étaient les mêmes. Puis là, après ça, éventuellement, quand j'ai commencé à faire de la musique haute qu'Acouphène, ben il est dans notre groupe de Great Diversion aussi. Puis là, ben ça allait de soi d'y demander pour Jolie. Puis en fait, pour le premier album, il a écrit beaucoup de textes avec moi. Pour le deuxième, non, ça l'a juste adonné comme ça parce que j'étais plus dans l'introspection. Parce que t'as puis... pas aimé le premier, genre. Non, comme, pas du tout. Pat, c'était toi le... You are the weakest link. Aussi... non, pas du tout. Pat est excellent avec ses textes, mais c'est surtout le fait qu'il y a eu quelque chose qu'on appelle la pandémie là-dedans, là, fait qu'on était pas mal tout seul. C'est faute de grammaire. Ouais, 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 c'est syntaxe, yeah, je comprends. Ouais, le non, fait c'est qu'il moi, est chaud, mais faute de grammaire. Mais non, c'est ça. Puis Nick, je l'ai connu parce que je me tenais avec les gars de Pandaléon. OK. Et puis, il faisait le son pour Pandaléon. Ah. C'était le tech. Mais si t'es le tech de son Pandaléon, si les Levac te font confiance avec leur son, oui, c'est un bon gars. Ben moi, j'ai appris beaucoup avec Nick, mais j'ai surtout appris beaucoup avec Pandaléon parce que j'ai quand même fait un peu de tournée avec eux, ouais, autres pour les aider avec l'équipement et tout ça, puis je prenais des photos. J'avais du fun avec eux, ouais, autres. C'était des amis, tu sais, de longue date. Puis je voyais Nick travailler. Puis j'ai jamais vu quelqu'un en arrière d'une console de son avec autant d'amour, puis pour le projet.
Oui. Pas pour le métier, pour genre ben le métier, mais plus pour la toune, jouer pour la toune. Nick, c'est un musicien, c'est un guitariste, il chante bien, il a plein d'affaires, mais il fait pas ça dans la vie, mais pour vrai, Nick, là, un feu de camp, tu l'as joué, puis t'es comme, il connaît plein de tounes, puis il joue bien, puis il chante bien. Fait qu'il y a vraiment une sensibilité artistique vraiment forte, puis c'est la raison pour laquelle ça l'a tout de suite fonctionné, puis on s'est parlé, puis éventuellement, je me souviens de l'avoir approché pour une tournée de Céleste. J'ai été le voir, puis on a fait un meeting, un café, puis on y a jasé, puis on est comme, j'aimerais vraiment ça que tu fasses le son pour Céleste. Puis là, il est embarqué, puis là, c'est devenu, c'est un membre de la famille, moi, maintenant, là, parce que je travaille avec lui, avec Céleste, mais avec Jolie aussi. Puis si je fais n'importe quel autre projet, ça va être le premier que j'appelle. Puis même quand mes amis demandent, tu connais-tu un technicien, je dis oui, malgré que j'ai peur de le perdre un jour, parce que si je commence à le donner à tout le monde va réaliser à quel point il est bon. mais je veux que son bien, tu sais, fait que évidemment, on se partage ça à la gang des Franco-Ontariens, là. Ouais. Mais c'est ça, fait que c'est comme ça que j'ai rencontré Nick. Puis ben Simon, ben c'est mon frère, fait que je l'ai rencontré. Mais toi, t'es le plus vieux. Oui, je suis le plus vieux. Fait exactement. Que c'est lui qui t'a. Non, c'est plus toi qui l'as rencontré. Oui, mais en fait, j'ai forcé mon frère à demander un drum pour sa fête. Ça, c'est drôle. Parce que je voulais un drum. Ouais. Toi, tu le voulais? Moi, je voulais un drum. Ou tu voulais un drummer? Non, je voulais un drum. OK. Puis t'étais comme, t'es plus jeune, t'es plus cute, tu vas l'avoir? Non, j'avais déjà demandé, je pense, une guide puis une bass, genre pas longtemps passé. Fait que je me suis dit, ça va pas passer au conseil. Mais à travers mon frère, ça a passé. Et le conseil était à maman et papa. Puis il y a un petit drum Sears rouge avec une cymbale qui est accrochée dans le bass drum. Puis on jouait Eye of the Tiger ensemble. J'ai une photo de nous avec un chandail canadien, mon frère, un chandail de New Jersey Devils. Wow. Zéro important, mais pour moi, ça veut tout dire à quel point on était jeunes pour faire de la musique ensemble. Ah, mais à quel âge qu'on parle de début de musique? Genre? Moi, j'avais 10, mon frère avait 7, je pense. Wow. Ouais. Mais moi, j'ai commencé plus jeune que ça, mais où on joue ensemble, mais, je te dirais ça. Mais toi, première guitare, première bass? J'ai comme deux segments, parce que j'ai reçu une première guitare en première année ou deuxième année. Ouais. Donc. Ouais, les 6-7 ans. Ouais, 6-7 ans, exact. Pense. Puis à ce moment-là, la personne qui donnait les cours de guitare à Hawkesbury prenait pas les jeunes avant 10 ans. OK. Une autre époque, là. Mm-hmm. Fait que j'ai comme appris par moi-même. Ça, c'est ridicule. Oui. Pré-YouTube. Oui, exact, oui. Juste picocher sur une guitare. Mais ce qui est bizarre, c'est que mes premières mémoires de moi qui joue de la guitare, c'est de composer premièrement. C'était pas d'apprendre une chanson. C'était de jouer quelque chose que j'avais fait. Puis je m'enregistrais, j'utilisais un petit chose Fisher-Price là, avec des micros. Oui. Puis là, je demandais à mon frère ou à mes amis de le tenir, mais je leur disais où. Comme je commençais déjà, je pense, à expérimenter avec le son. Comme j'ai un souvenir de ça, comme pointe les plus vers là, ça sonne mieux. Mais je pas comprendre pourquoi ça sonne mieux. Non, mais avoir la bébite de un. Oui, c'est ça. D'avoir déjà ce défaut-là. Mais l'oreille aussi. Oui. Ben je sais pas si c'est l'oreille, mais. Le vouloir. Oui, le côté perfectionniste de comme je veux que ça sonne bien. Oui. Tu sais. Et puis là, après ça, j'ai enregistré beaucoup mes bands quand j'étais au secondaire, puis tout, même si c'était tout croche, mais j'essayais. T'sais. C'est quoi le nom de ton premier band encore? Unreachable Death. C'est ça. Ben il y avait Illusion avant ça, qui était un band de. Cover band de AC/DC et de Guns N' Roses exclusivement. C'est correct, ça. Oui. Mais ça. Faut tout passer par là. Ouais, c'est correct. Rien n'a changé, je pense, de nos jours. Non. Ben, probablement un peu, là. Ouais, mais ben non, ça tourne encore, ouais. Ça tourne encore, les chansons d'AC/DC. Mais je parle pour des jeunes qui jouent de la guitare, tu sais. Ah, ok. Ouais, ouais. Moi, je parle de ta chanson, ça tourne encore. Ah, oh, toi, t'es fatigué avec ça. C'est rendu un running gag, je sais pas pourquoi. Parce que tu te trouves drôle. Je trouve ça très drôle, puis c'est ta réaction qui te suscite beaucoup. Oh, je fais vraiment un gros virement d'yeux, là. Ouais, mais je l'ai bien plugué, là, tantôt. Oui, c'était excellent. C'était smooth. Là, ça avait son but. Oui, mais mon but, c'était juste de dire ça tourne encore. Je le sais. Je suis très conscient de cela. Je vais poser la question. Oui. Poche, journaliste. Oui, vas-y. Un show de Jolie. Oui. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? J'ai vu un aperçu. Oui. Au Trio. Oui. Au Trio, oui. Comment ça? Mais t'as fait. Oh, excuse-moi. Tune. Oui, t'as raison. Désolé. Chum, j'étais là, t'étais là. Ouais, dans ma tête, Pat était pas là, fait que c'était pas un show non, de Jolie. Non, c'est pendant les rats que t'étais pas là. Oui. T'étais pas dans le mix. T'étais pas dans le mix.
Je sais pas si on en a déjà parlé, mais il faut en ramasser du monde. Au Trieur, ils ont un gros spectacle lors c'est du grand gala. Donc, oui. Ils vont remettre des prix. Ensuite, ils vont faire des interludes musicales juste pour garder le monde pépé, cheery, cheery. Oui. Sinon, tu regardes une diapositive, tu vas dire « Wow, félicitations, merci, j'ai gagné. J'aimerais remercier tout le monde, ma mère, ma conjointe, mes enfants, mes amis. Merci à mes producteurs. » Ça serait ça pendant une heure. Ça pourrait être un peu long. Absolument. Puis, si tu regroupes du monde qui font de la musique, peut-être leur laisser faire un peu de musique. Oui. Ça fait pas de tort. Ça fait partie du spectacle. Fait que toi, t'es dans le spectacle. Oui. Dos Timos. Oui, deux fois. Une fois, joli. Oui. C'est super beau. T'as fait Les Murs saignent. Oui. Qui est de loin ma chanson préférée. Oui, tu m'as dit ça. Ouais. T'es pas c'est... le seul, mais non. Je l'apprécie beaucoup. Ouais. J'aime aussi beaucoup Ça tourne encore. Oui. sinon, t'as joué aussi avec les Rod Swamp. Oui. T'étais dans les débuts des Rod Swamp, donc oui. T'as remis tes vieilles pantoufles. Oui. Pour une toune. Mon vieux garoté. Pour une toune, ça vient qu'une toune? Oui, juste une toune. Juste une toune. Et puis, faut dire que t'étais à la guitare. Oui. Et aussi à la voix. Tu faisais des backs sur Yann. Oui. Et puis, je sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé où. Je sais exactement à qui je pourrais le nommer, le décrire, mais pas le faire. Le Scarac est une langue anglophone, il comprend absolument rien. tu chantais, on n'entendait pas rien qui sortait de ton micro. Je jouais. Ta guite, pas rien sortait. Et puis c'était le même au soundcheck, je te l'ai dit, j'ai dit « Hey man, t'es pas dans le mix ». On t'entend pas. Et moi, c'est après que tous les triards finis, je viens voir toi, Céleste, tes parents. Ta mère a dit, c'était bon ta perfo, mais pendant les ronds, on t'entendait vraiment pas. J'ai fait bon. Finalement, quelqu'un talk karma. Mon père, par exemple, qui dit, on n'entend pas vraiment Brandon non plus habituellement. Mais en fait, je pense que peut-être que j'étais là dans le mix, mais non, je sais pas. Mais c'est plus dans le spec sonore de tout. Il y a quand même beaucoup d'informations dans les rats dans ces fréquences-là. Fait qu'il y a des choses qui peuvent se perdre, tu sais. Puis quand t'as pas un technicien de son qui connaît cette musique-là, je pense que ça peut être vraiment. Il y avait bien de la problématique. Du violon. Bien du violon, bien de la bass. There you go. Mais au moins, c'est deux bons instruments. C'est ça. Mais les guitares, ça, la gagne, t'as pas tant là. Non plus, hein? Ah, puis toi, chum, je sais pas que t'as mis où. Moi, j'étais zéro. Moi, je trouve ça juste. Toi, ta guitare était déjà sur le loading dock en arrière. Il était prêt à te renvoyer à maison. Elle était dans le garage. C'est bon. Des gros shows qui s'en viennent pour toi. Oui. Hâte de te suivre en tournée, de voir tout ça. On va essayer de documenter ça le plus que possible. Oui. Donc, on suit tes réseaux sociaux. J'ai super hâte de t'amener avec nous autres. Sur Instagram, c'est @marcantoine. Jolie, ton nom complet. Oui. Sinon, page artiste sur Facebook, Jolie. Jolie musique. Ouais. Donc, en lettres majuscules, si vous voulez l'écrire comme il faut. Exact. Et aussi, sur toutes les plateformes de streaming, peut-être, on va vous donner un avant-goût pour les gens radio. On va faire jouer toute la musique pendant l'émission. On va faire un spécial Jolie. Mais pour les gens qui nous écoutent de version podcast, si vous êtes, je suis dans le coin, peut-être que vous êtes à Timmins, peut-être que vous êtes à Moonbeam. Peut-être, Moonbeam, peut-être que, pas loin. Peut-être que le chalet, vous êtes en train de le fermer à Moonbeam. Oui. Ou sinon Hivernisé. À Cap, à Hearst, peu importe où que vous soyez. Découvrez ça. Sinon, à Ottawa aussi en spectacle. Et puis pour nos amis acadiens, le 8 à Dieppe. Oui. Franco-Fête, soyez là, 10 novembre, CNA, 4e salle. Les billets sont en vente. Je vous invite à y aller. C'est un bon gars. Il fait de la bonne musique. Ça vaut la peine. T'es bien fin. Merci beaucoup. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Les roues sur la vanne font roule, roule, roule. Font roule, roule, roule? Roule, roule, roule. Ouf. C'est quoi les roues sur l'autobus? Les roues de l'autobus font... Tourne, tourne, tourne. Roule, roule. Hey, je devrais le savoir. Mais hey, c'est des chansons que tu connais comme enfant. Mais en tout cas... Non, mais c'est parce que je la chante avec Sam quand on écoute Marie-Soleil. Puis là, en ce moment, j'ai un blanc. Mais en tout cas... Son roule, roule. Fond, roule, roule, roule. Roule, roule, roule. Roule, roule, roule. Pas fond, je pense. Vont. C'est une syllabe. Il faut que ce soit un verbe. Roule, roule. C'est juste ça? Les roues de l'autobus se roulent, roulent, roulent. Ah, c'est peut-être juste ça? Usse. Usse. C'est important, ici, là. Les roues de la vanne. Roule, roule, roule. Les roues de la fourgonnette. Roule, roule, roule. Roule, roule, roule. Roule, roule, roule. OK, c'est assez. Simon prend des gras, gras, gras. Gras, 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 vol.
J'ai changé l'air complètement. Oui, puis là, t'es rendu à un vol, puis... Grand vol. Oh, des grands vols. Grand, grand. Moi, je comprenais grand, grand vol. Grave. Moi, je savais pas comment, le finir. T'as oublié d'articuler? Oui, aussi. Okay. Ça m'arrive souvent. Désolé. Mais non. Hearst, Cap, Dieppe. Oui. Ottawa. Ottawa. Très haute. Haute aussi. Faire cette route-là, parce que c'est pas à porte. Non. Cap et Hearst. Ben, en fait, je parlais tantôt de comment que on fait... Ben, 4 dates, mm-hmm. mais genre, c'est comme sur presque 7 jours. Mais c'est ça, tu sais, on part une journée d'avance. Oui. On revient une journée après un spectacle. Mm-hmm. Ensuite, ben, c'est certain qu'on revient à Ottawa pour une journée, mais après ça, une journée de déplacement, la journée à Dieppe, une autre journée de déplacement. Yep. Déjà là, le choix à Dieppe, il est 3 jours. Oui. Même si je prends un avion. Oui. Qui est. Fou. Mais le Canada, là. C'est gros. C'est immense. C'est ridicule. Tu sais, j'étais à Kelowna aussi, puis j'étais comme, man, on... c'est fou. C'est fou comment c'est grand. Oui. On est chanceux d'avoir ça, bien évidemment. Mais quand tu fais de la tournée, c'est ça. C'est dur. Mais quand on compare ça en Europe... Ben, c'est ça que je veux dire. Tu prends, on va dire, tu ferais la route Ottawa, Hearst... 8 pays. Tu changes 4 pays, oui. Puis t'arrives à quelque part, puis ils parlent plus ta langue. Non, exact. C'est comme tu parles en français... parle en polonais, puis tu les regardes des gros yeux comme... De quoi tu parles, man? On peut se parler en anglais. Exact. On va se trouver au milieu. On va se trouver. Il y a des nouvelles lois, il y a comme du nouveau monde. Exact. Les marques de char sont différentes. Oui. Tu sais, comme des affaires banales. Oui. Quand on conserve le Canada, si tu sors d'un pas dans l'eau, c'est comme, on est juste à la même place. On est à la même place, j'ai juste montré mon permis de conduire. Il y a juste plus ou moins de roches. Oui. Il y a soit plus ou moins de gazon. C'est le relief qui change beaucoup. C'est juste la topographie qui change. Oui. Tu passes du bouclier canadien aux prairies, aux rocheuses. Oui. Et après, tu vois plus d'eau qui n'est pas de la rivière et il fait moins humide. Essentiellement, c'est ça. Oui. Puis avec beaucoup, beaucoup d'écoles de pensée différentes au cours de la route. Aussi. Et des accents différents. Et plusieurs beaux accents différents. L'accent de Hearst. Yes, no toaster, I love skidoo. Quoi? J'ai jamais entendu l'ajout I love skidoo. OK. Moi, c'est yes, no toaster, I speak English, moutarde relish. Ah, c'est laid, ça? Ça vient de quelle région? I speak English, moutarde relish. Si je me trompe pas, c'est dans une chanson que je pourrais te retrouver c'est qui, mais je sais pas tant. OK. moi, c'est I love skidoo. Parce que c'est comme des mots anglophones que même les francophones connaissent. Okay. C'est ça la joke. Je comprends. Fait que moi, pour essayer de faire une référence à ça. Oui, j'essaie de finir le show sur un high. Oui. Puis là, le ben, c'est ta faute. Mm. C'est 100% de ta faute. Tu le sais, ça? T'es au courant? En ce moment, on voit que Nick est en train de quitter la scène. Il va me laisser terminer ce show tout seul. Pendant que j'ai ce moment où, enfin, il n'y a plus personne pour m'arrêter, m'assourdir. Personne ne pourra t'arrêter. Tu vois, même quand il n'a pas son casque d'écoute, il est déplaisant. Hey, bon show. Mais merci énormément de m'avoir passé en entrevue. C'était pas si bizarre que ça. Non. C'est plus bizarre que je fais un intro pour un outro avec toi. C'est comme si le gars du milieu, c'était une autre personne. Essentiellement, c'est un peu ça que c'est. On a parlé un artiste. Seulement, on parle à Marc-Antoine. On a parlé à Jolie. On a parlé à Jolie. L'amateur de fruits et légumes. Oui, et de bière, de microbrasserie. Sinon, il va prendre de l'eau. Et puis ça, là, j'aurais dû spécifier, là, amène-moi pas genre une rousse, là. Là, je serais pas content. Là, fais pas ta diva. Ah, ben oui. On a passé toute la chose de dire, hey, t'es sympathique, t'es terre à terre. Moi, j'ai pas dit ça. Main. Là, j'essaye. Mais en plus, tu mets en parenthèse, mais c'est pas ça, c'est pas grave. Oui. Puis là, tu dis, mais apporte-moi pas ça. Mais parce que la rousse, je peux pas la boire. Il y a quelqu'un à Cap et à Hearst ouais. qui sont en train de retourner au beer store, puis ils sont pas contents. Premièrement, s'ils ont été au beer store, ça part pas bien. Il y a pas beaucoup de bière de microbrasserie là. Tu sais pas qui est-ce qu'ils ont en stock à Hearst et à Kapuskasing. T'as raison, mais laisse-moi en douter. On peut tout trouver dans les beer stores dans le Nord-Ontarien. Même de l'espoir, on peut trouver. Oui. Meilleure histoire de beer store. Vas-y. À Marathon. D'accord, on j'aime arrête, déjà ça. On arrête au beer store avec mm-hmm. Acouphène. Et okay. le gars nous regarde et dit « You guys a band? » Puis là, on est comme « Oui. » Puis il dit « Avez-vous du merch? » On est comme « Oui. » Il sort, il met la pancarte fermée, puis il vient acheter du merch. C'est ridicule. C'était incroyable. Ah! C'est mon histoire du beer store. Allez à Marathon. Hein? Puis cette journée-là, on avait joué dans une salle de classe.
on a amené tout notre système de son. On s'est dit, hey, ils nous ont fait venir jusqu'ici. Il y avait comme 20 personnes avec le concierge, ben, tout le monde. Ben, comme, c'est ça, ouais. Exact, l'école. T'sais, l'école est complète. Puis ils étaient tellement heureux. Puis nous, on était heureux d'être là aussi. On a amené le système. On a juste dit à tout le monde, comme, regarde, ça va être fort, mais vous allez vivre un vrai spectacle, pas juste nous autres. Ah, chaud dans... Qui essayent là, t'sais, de faire un show dans votre classe. T'sais. C'est médiocre, c'est un show rock. Faut que ça se vive. Fait qu'on a donné des bouchons à tout le monde. Mm. Puis, parce qu'il n'y a pas façon de contrôler du rock, là, de ce niveau-là, à cette époque-là. En tout cas... Ça tourne encore, hein, comme qu'on dit. Allez le voir en show, il est bien bon. Merci. Merci.